Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Pascal Conin, ou Conan, il va nous le dire tout de suite. Il est délégué municipal d'Horizon à Saint-Brieuc. Il est avec nous en direct ce matin sur l'antenne de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, première radio pour vous qui venez de la société civile. Complètement. Et qui embrassait, si j'ose dire, la politique. Je l'ai dit en commençant, hein, vous êtes délégué municipal d'Horizon. Il y a plusieurs délégués en France, on est à peu près entre 400 et 500 délégués au niveau des comités d'entreprise, en train de se former petit à petit, mais ça bouge dans le bon sens. Ouais. Alors Horizon, est-il utile de le préciser, c'est le parti fondé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Édouard Philippe que l'on dit, allez, on va tout de suite évacuer la question, que l'on dit entre guillemets présidentiable. C'est quelque chose que l'on dit, effectivement. Oui, bon, il n'y a pas de secret. Je pense qu'il est comme certains. Il va aller vers ce genre de choses. Pour l'instant, après, c'est lui qui dira. C'est pas à nous de le dire. Mais bon, mais c'est vrai que c'est sûrement une option. Ouais. Il y a des chances, ouais. Alors, Édouard Philippe, qui s'est mis un petit peu en retrait de la vie politique, qui continue, j'allais dire, un petit peu dans l'ombre, justement, ce labourage du terrain avec la société civile, je le disais en commençant. On a un autre regard aujourd'hui. Aujourd'hui, de la politique, on voit que les citoyens, les Français, les Bretons se désintéressent de la chose politique. On l'a vu lors des dernières élections. Et pourtant, il y a une appétence de cette société civile pour la politique. Comment vous l'expliquez ? Ben, je pense que justement, les gens sont un petit peu, peut-être comme moi. Enfin, moi, je sais que mon cas, moi, ça a été ça. C'est-à-dire que j'avais une logique un peu de la politique avec des grands discours et pas forcément de réalisation derrière. Et je me suis dit qu'en venant de l'entreprise, on avait peut-être une certaine force, une certaine manière d'appréhender les choses, qui étaient peut-être moins justement politiques et plus pratiques. Donc ça permet d'échanger aussi et d'avoir bien sûr des relations avec les politiques, mais d'apporter un regard un petit peu nouveau et une façon de faire de la politique peut-être plus de terrain. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse vraiment. Il est temps, Pascal Conin, de reconnecter, finalement, le terrain et la chose politique. Bah, complètement. Il faut que l'avantage un petit peu d'Horizon et de ce que fait Édouard Philippe actuellement avec les comités municipaux, c'est que, justement, au lieu d'avoir un discours de Paris qui descend vers la province, on est dans une démarche un peu différente, dans le sens où c'est les comités d'entreprise. Voilà, on retrouve l'entreprise. Voilà, le chef d'entreprise que vous avez été, on ne trahira pas de secret en disant que vous êtes à la retraite aujourd'hui, vous êtes consultant aussi, au-delà de ça. Mais disons que voilà, il y a une démarche qui va être un peu différente dans le sens où les comités municipaux, c'est eux qui vont apporter un certain éclairage, et une certaine vision un petit peu de ce qui se passe dans leur département, dans leur commune, dans leur aglo, pour justement apporter des informations peut-être un peu plus précises de ce qui se passe réellement sur le secteur. On le disait, déconnexion de cette vie politique, mais parfois déconnexion du politique, avec souvent des positions dogmatiques. Alors là, il ne s'agit pas de dire de droite, de gauche, peu importe, mais des positions dogmatiques qui ne correspondent plus finalement aux attentes du citoyen, qui lui attend des actes, attend bien d'être un peu mieux dans sa vie. On le voit aujourd'hui en cette période de crise. Bah, oui, les gens ont besoin d'avoir en fin de compte une vision... peut-être même à court terme, de leur vie au fur et à mesure. On n'est pas... C'est vrai que le dogmatisme, les grands discours, je le disais tout à l'heure, c'est des choses où je pense que ça dépasse un peu les gens. C'est plus ça qu'ils ont envie d'entendre. Ils ont vraiment envie que les politiques s'occupent d'eux. Enfin, qu'on soit vraiment présent, qu'on soit sur le terrain, qu'on ait une approche beaucoup plus... de la vie beaucoup plus... Enfin, normale, entre parenthèses, quoi. Alors, c'est quoi le rôle du délégué municipal que vous êtes ? Alors, le rôle du comité municipal, ça va être, en fin de compte, de défendre un peu le programme d'Édouard Philippe et d'Horizon, de promouvoir un petit peu ce que l'on peut mettre en place sur le terrain, les idées que l'on a, qu'on va porter. Et puis aussi, c'est de remonter les informations des citoyens, comme moi, des simples citoyens, à un parti politique en disant, voilà, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui sur la ville de Saint-Brieuc, par exemple, c'est ça. Alors, est-ce que
que vous avez la même problématique avec d'autres comités municipaux? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut, je veux dire, envisager de voilà, un thème qu'on peut travailler à plusieurs? Voilà. Donc ça va être vraiment ça. Et puis, bien sûr, de faire en sorte de trouver des nouveaux adhérents. Donc, voilà, peut-être justement avec un discours un peu différent et d'apporter quelque chose de neuf dans la politique. Je pense Alors, que c'est important. Il n'y a pas de question piège, mais on va peut-être reprocher à Édouard Philippe d'avoir été le premier ministre d'un certain Emmanuel Macron, on va dire, mais voilà, en fait, c'est une affaire politicienne, il veut se placer. En quoi le discours sera différent? Je pense que c'est différent parce que déjà, Édouard Philippe, ça a été le maire du Havre depuis 2010 quand même. Et il a une très très bonne connaissance du terrain. Et je pense que c'est quelqu'un justement ces deux casquettes, à la fois quelqu'un qui a les mains dedans quand il est maire du Havre, et puis premier ministre, il a les deux compétences et les deux casquettes. Donc c'est quelqu'un qui peut par ce biais-là, je pense apporter énormément de choses vraiment et voilà, c'est quelqu'un qui peut nous apporter énormément de choses à ce niveau-là. Donc ça, c'est bien. Un programme qui va être axé plus sur la solidarité, plus sur le travail, plus sur sortir de cette crise. Alors là, c'est très vaste, les thèmes. Mais est-ce qu'il y a déjà quelques axes de travail? Oui, alors il y a un axe qui est vraiment primordial et qui est très important chez nous, c'est tout ce qui concerne l'éducation. Parce qu'en fin de compte, tout démarre de ça. Enfin, je veux dire, si l'éducation ne fait pas, entre parenthèses, son travail, le reste automatiquement va en découler. Donc c'est vraiment quelque chose, un thème vraiment central au niveau d'Horizon. Après, bien sûr, il y a tout ce qui concerne l'environnement. Ça, c'est pareil, c'est deux pieds actuellement qui sont hyper importants. Et si on n'agit pas sur ces deux thèmes, on ne pourra pas faire autre chose. Donc déjà, bien se concentrer sur ça. Et puis après, bien sûr, y a tout ce qui concerne la sécurité, enfin les thèmes classiques que l'on peut trouver ailleurs. Mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on avance. Et je dirais que là où on peut se différencier un petit peu des autres partis, dans certains cas, c'est qu'on va essayer d'avoir une stratégie sur du long terme. C'est-à-dire qu'au lieu de réagir plutôt de réagir à l'actualité, justement, au fur et à mesure, on va plutôt essayer vraiment d'avoir une stratégie sur le long terme et de proposer des choses qui vont être peut-être un peu plus différentes. Donc, voilà. Est-ce que, justement, aujourd'hui, les femmes, les hommes politiques n'ont pas assez de recul, sont trop dans l'immédiateté? Est-ce qu'il faut prendre un peu le recul? C'était le général de Gaulle qui disait « on voit mieux les choses de loin ». Mais est-ce qu'il faut justement prendre un peu de recul et pour pouvoir analyser une situation? Je pense qu'il faut, savoir se poser un peu de temps en temps. Si on a la tête dans le guidon en permanence, ça, c'est pareil que l'entreprise. En fin de compte, on revient toujours à la même chose, mais on n'avance plus. On réagit simplement à l'actualité ou au fait qui arrive, et derrière, on n'a pas forcément la bonne réponse. Donc si on a une stratégie différente en prenant vraiment de la hauteur, et c'est là où je pense que Horizon et Édouard Philippe sont professionnels à ce niveau-là, je pense qu'on peut régler certaines choses de façon différente. Ouais. Et c'est vrai que c'est important de prendre de la hauteur et de la distance. Alors l'éducation, vous le disiez, un des piliers évidemment de la République, depuis des années, des dizaines d'années, oserais-je dire, on n'arrive pas à réformer le système éducatif en France. C'est une chose, puis il y a un deuxième volet, il y a aussi les parents, les proches. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils sont un petit peu laissés en roue libre. Il ne s'agit pas de dire que c'est le cas de tous, bien entendu, mais qui auraient besoin sans doute d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce. Est-ce que la solidarité, en plus du volet éducation propre, doit fonctionner, doit être remise en place? On parle beaucoup d'éducation populaire, par exemple, aujourd'hui. Ouais, c'est pareil, un petit peu, c'est un petit peu comme les comités d'entreprise avec Horizon. Il faut que les gens s'investissent, mais que ce soit des gens à la fois de l'éducation nationale, que ce soit bien sûr des parents, que chacun vienne avec son, entre parenthèses, son idée et sa formation, et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Après, peut-être que l'éducation nationale, jusqu'à présent, est restée peut-être un peu, à mon avis, un peu trop statique, c'est-à-dire que on n'a pas forcément une offre qui peut correspondre à l'attente des jeunes. On est dans une démarche qui est relativement ancienne en termes de programme, entre parenthèses. C'est un peu vieillot, quoi, finalement. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut vraiment que... La difficulté pour les jeunes actuellement, c'est de savoir comment se situer. Et surtout, la nouvelle génération a une logique à court terme. Ils n'ont pas forcément une logique à long terme. Et ce qu'on leur propose, quelquefois, c'est des formations qui sont très longues. Est-ce que c'est
toujours d'actualité, il en faudra bien sûr, mais est-ce qu'il ne faut pas apporter une offre un peu différente à ce niveau-là ? Les jeunes ont besoin d'être accompagnés de plus en plus. Alors il y a bien sûr l'éducation nationale avec tout le travail pédagogique qu'elle doit faire, mais il y a aussi une forme d'accompagnement à trouver en fin de compte ce que le jeune veut faire, veut faire ou ne veut pas faire. Et tout en sachant que d'ici quelques années, quand on sait qu'un jeune qui commence, par exemple, aujourd'hui, qui va passer son bac cette année, peut-être que le métier dans lequel il se projette, dans 10 ans, il n'existera plus. Donc c'est hyper complexe. Et c'est vrai que c'est là qu'il faut intervenir. C'est là qu'il faut apporter des solutions et des choses importantes. Parce que c'est vrai que je pense qu'ils sont pour beaucoup un peu paumés quelquefois à ce niveau-là. Voilà, la réflexion sur le temps long, mais aussi le temps court pour agir finalement. Vous parliez des jeunes, des formations aujourd'hui. On voit beaucoup de jeunes qui vont d'un travail à l'autre, au gré finalement, comme vous le dites, de leurs envies, de leurs desiderata, du confort aussi. Du confort. Voilà, du travail. C'est une notion qui était tout à fait étrangère au monde du travail il y a encore une dizaine d'années, 15 ans. Oui, ou même ma génération à moi, je veux dire, on avait un objectif dans la vie, c'était très, très basique, entre parenthèses. On essayait de fonder une famille, on faisait une maison, on avait un travail, et puis voilà, puis la vie continuait comme ça. Maintenant, c'est vrai que les jeunes ont une démarche, et je pense qu'ils ont raison d'ailleurs, ils ont une démarche qui est beaucoup plus subtile, mais qui est beaucoup plus demandeuse aussi en termes d'accompagnement. Donc, il faut vraiment qu'on leur apporte des choses nouvelles, je pense que... Et puis aussi une bienveillance, c'est un mot très à la mode, mais c'est vrai que ce que nous, on a connu, de toute façon, c'est fini. Donc... On est dans une société beaucoup plus dure aujourd'hui, beaucoup plus complexe. S'ajoutent à ça les crises climatiques, la guerre en Ukraine, etc. Je ne veux pas noircir le tableau, mais on est dans une société plus difficile. Bah, pour eux, c'est vrai que c'est très anxiogène. Donc si on ne leur apporte pas, je veux dire, un cadre avec un horizon, ils auront beaucoup de difficultés à se projeter dans l'avenir. Donc c'est vrai que quelque part, il faut vraiment les accompagner au quotidien. Il y a des structures maintenant qui existent d'ailleurs, qui viennent travailler un petit peu en complément d'éducation nationale et qui font plus ou moins des bilans d'envie. Savoir vraiment ce que le jeune ne veut pas faire, entre parenthèses. C'est vraiment ça le démarrage. Et puis petit à petit, après, ils arrivent à les orienter sur des métiers ou sur des formations qui les intéressent. Après, le pire, c'est que quelquefois, un jeune ne va pas forcément avoir pas savoir ce qu'il veut faire réellement. Ouais, pas forcément conscience de ses talents. Donc il faut les découvrir, il faut les orienter. Et donc c'est vrai qu'il faut peut-être une... Alors c'est facile à dire, mais il faut peut-être une éducation nationale un peu plus individualisée. Qu'on soit dans le collectif pour certaines choses, mais qu'on apporte quelque chose d'individualisé pour certaines réalisations, je pense. Ouais. Aujourd'hui, on dit souvent, là encore, il y a des jeunes qui sont pleins de talents, etc. Et on ne les voit pas sortir forcément, parce qu'on ne les met pas en avant, parce que... Voilà, il y a des contextes qui font qu'un jeune ne va pas forcément se mettre en avant. S'il faut aller chercher ces talents-là. Ouais, faut les chercher. Et puis c'est vrai que il y a beaucoup de jeunes, comme vous dites, qui sont un petit peu en retrait, qui n'osent pas. Voilà, faut aller chez eux, enfin faut aller entre parenthèses dans les écoles, dans l'éducation nationale, faut faire presque un petit boulot de détective entre parenthèses, puis il faut s'intéresser vraiment à eux. Je pense ils ont énormément de choses à nous apporter, mais je pense que quand on a une petite expérience de la vie, on peut aussi leur apporter des choses. Il y a beaucoup de gamins qui sont quelquefois un petit peu en manque de repères au niveau familial. Il faut les aider à retrouver, je veux dire, un sens. Et généralement ça se passe bien quand on y arrive. Alors on va convoquer feu la reine d'Angleterre au micro de Bretagne 5. On a dit que avec la disparition de la souveraine, c'est le 20e siècle qui se referme. On rentre cette fois-ci, si vous me permettez, de plein pied dans le 21e siècle, qui sera forcément très différent. Est-ce que sans comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'il va falloir ici aussi dépoussiérer nos institutions, changer des choses qui sont parfois un peu immuables, et puis c'est dur de faire changer ces mentalités dans la société, en plus dans un contexte de crise très importante. Est-ce que les Français, en un mot, ou les Bretons, sont prêts à accepter le changement ? Oui, moi je pense qu'il y a plein de gens qui sont capables d'accepter le changement. Après, justement, c'est l'avantage un petit peu de la société civile qui peut vraiment apporter ça en politique. C'est vrai que on peut, je pense, avoir un regard totalement différent, avoir une culture du résultat. Moi j'ai été dans l'entreprise pendant 40 ans. Ça fait toujours peur, culture de résultat. Bah ouais, mais pourtant le but du jeu il est là, je veux dire, c'est faire des réformes pour faire des réformes ou
ou avancer des grands discours. Je veux dire, c'est pas le but du jeu. Maintenant, les gens, ils ont besoin de concret. Donc, la société civile peut un peu dépoussiérer, je pense, un petit peu le monde politique. Alors, c'est vrai qu'il faut des politiques, parce qu'il faut avoir une vision à long terme, il faut une stratégie, justement, il faut des choses comme ça. Ça, on en a besoin. Mais en local, en terrain, il faut sûrement des gens de la société civile pour apporter un regard vraiment nouveau et différent un petit peu de ce qui se passait jusqu'à présent. Alors, sur l'écologie, sur la transition énergétique, hein, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes au début de cet entretien. Là aussi, on entend beaucoup de choses. On a Europe Écologie Les Verts, on a des partis politiques qui sont très, très influents, très enclins à vouloir changer les choses. Mais comment faire pour changer les choses, là encore, dans une situation de crise importante que nous vivons? Moi, je pense que réellement, il faut que ça vienne du citoyen. Il faut que ça vienne de la base, en fin de compte. C'est vrai que, alors, il faut bien sûr avoir des axes de travail, il faut promouvoir certaines choses, mais si vraiment on veut que ça change, c'est à nous de prendre notre vie en main. Il faut arrêter d'être un petit peu spectateur de nos vies, en fin de compte. Il faut devenir acteur. Et là, je pense que c'est des choses qu'on peut faire, nous, au quotidien, déjà, par des petits gestes, par des choses régulières. Et puis, peut-être les gens à réfléchir sur certaines choses. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a fait réfléchir parce que j'adore le sport. C'est Vincent Landon qui a fait, je ne sais pas si vous avez Vincent vu sur les réseaux Landon, sociaux, oui, tout à fait. Qui a fait un petit peu une polémique un petit peu sur le Qatar avec le foot. Et je pense que c'est par des actions comme ça qu'il faut mettre les choses en avant. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer certaines choses et sans a priori politique, sans être militant de certaines choses. Faut dire les choses comme elles sont et puis faire des gestes du quotidien et puis là je pense que tout le monde pourra y arriver. Alors on a cette situation de crise qui met beaucoup de ménages en difficulté tout simplement parce que on sait que l'inflation va encore hélas augmenter, que les prix d'énergie vont augmenter et que ça devient difficile au quotidien. J'imagine que sur le terrain vous avez des remontées de tout cela. Oui. Est-ce qu'il va falloir à un moment ou à un autre alors, pardonnez-moi le terme, mais se protéger un petit peu de cette grande géopolitique qui fait, sans évidemment l'ignorer, hein, bien avoir des relations diplomatiques, on est d'accord, et puis compter dans le monde, mais se protéger un peu de ces grandes catastrophes qui souvent ne viennent pas de nous. Alors, on pense à la guerre en Ukraine et ses conséquences, entre autres. Oui, alors non, c'est vrai qu'il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois une France, enfin, j'allais dire une France forte et protectrice, ça c'est clair. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas se couper du monde non plus. Donc, il faut que ce soit une France forte avec une Europe forte. Mmh. Pour moi, c'est ça la chose. Mais il faut vraiment qu'on pèse encore plus fort au niveau de l'Europe, qu'on ait... le protectionnisme, c'est pas forcément le mot. mais il faut qu'à l'intérieur de nos frontières, on arrive peut-être même on voit bien ce qui se passe en ce moment, une industrialisation un peu plus importante. Mmh. Il faut qu'on aille vers ce genre d'axe, mais moi je pense que l'Europe est quelque chose d'important. On n'y arrivera pas tout seul de toute façon. Donc il faut jouer là-dessus et puis composer avec les autres. On n'est pas tout seul. C'est vrai qu'on est dans un système quand même qui est très compliqué, qui est mondial et bon. Alors on voit justement au gré de cette Europe monter les extrêmes. Alors on le voit en Italie, on le voit depuis hier soir en Suède avec les élections. On l'a vu aussi en France lors des dernières élections et le Rassemblement national qui a rassemblé 89 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette montée finalement des extrêmes, de l'extrême droite hein, pour dire le mot, n'est pas aussi quelque part due à une faillite du système politique et des hommes politiques en place. Alors sans accuser qui que ce soit, depuis quelques années, on a vu quand même ce mécontentement, ce vote de colère finalement. C'est vrai que depuis quelques années, comme on dit, les gens vont contre et non pas pour quelque chose. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut justement que les partis politiques apportent un autre regard et une autre façon de faire de la politique. Le discours des gens qui sont un peu dans l'extrême, c'est tellement un discours simpliste. Et c'est beaucoup plus facile quelquefois, et on est tous pareils pour la population, de se dire, on va faire quelque chose que, à la limite, on comprend plus facilement.
Après, c'est sûrement pas la solution, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que oui, il faut se remettre en question à ce niveau-là, c'est hyper important. C'est inquiétant cette montée des extrêmes. Ouais, c'est vraiment inquiétant. Je pense qu'il faut justement, ben oui, apporter autre chose. Il faut que la politique soit plus simple. Il faut dire aux gens les choses comme elles sont. Il faut arrêter de se voiler la face sur certaines choses. Ce que fait quelquefois les extrêmes, ils ont tendance quelquefois à mettre en évidence. Là où ça fait mal, entre parenthèses. Donc, faut pas hésiter non plus à y aller. Faut dire les choses comme elles sont aux Français ou aux gens, je veux dire. Faut pas tergiverser, faut être honnête. Et je pense que ça, c'est important. Justement, on a le sentiment souvent que les femmes, les hommes politiques, quand ils ou elles sont en place, mettent un peu des œillères en disant là, j'avance, je chemine, j'essaie de pas trop faire de vagues, j'essaie de composer. C'est fini ce temps-là, finalement. Bah oui, et puis surtout, l'avantage justement de la société, enfin d'où je viens, moi, de la société civile, c'est qu'on n'est pas forcément, entre parenthèses, des gens avec des ambitions démesurées. Vous ne voulez pas être président de la République. Je n'en aurais pas les capacités déjà. Et puis loin de là, non. Non, je pense que c'est quelque chose d'important parce que justement, ça permet de pas se mettre des œillères, de dire les choses comme elles sont, de pas avoir peur d'y aller et de pas avoir derrière, entre parenthèses, une volonté électorale. Donc, c'est plus facile. Alors, il y a toujours ce problème, là aussi, des appareils politiques. On le voit dans la vie politique française depuis des années, des décennies même. Là encore, ça nous ramène au général de Gaulle. Hein. On convoque le général de Gaulle ce matin sur l'antenne de Bretagne 5. Il disait, le problème, finalement, dans une démocratie, sont les partis. Et pourtant, on les voit, les partis, ils sont là, ils sont utiles quand même, il faut bien le dire. Justement, est-ce que parfois, l'appareil de tel ou tel parti politique n'agit pas un peu comme un rouleau compresseur, y compris pour les gens de la société civile qui rejoignent ce parti? Si, mais ceci dit, c'est vrai que c'est important d'avoir des partis. Sans partis, je veux dire, on ne peut pas avancer non plus. On ne peut pas chacun dans notre coin, je veux dire, faire des petites choses et puis se dire, tiens, on va faire ça, ça ne marchera pas. Donc, il faut des partis politiques, c'est aussi l'essence même un peu de la démocratie, ça fait partie du jeu. Chacun peut y retrouver un petit peu ses sensibilités, donc ça, c'est important. Mais faut des partis, j'allais dire, plus ouvert, moins axé sur une doctrine justement politique. Je pense qu'il faut qu'on laisse la place dans les partis aux gens qui quelquefois peuvent dire des choses un peu différentes de ce que veut le parti, mais ça permet justement d'entendre aussi des choses importantes. Donc faut ouvrir un peu cette partie d'un petit peu de la politique, entre parenthèses. La notion droite-gauche aujourd'hui, on a l'impression que depuis Emmanuel Macron, justement, elle a un peu volé en éclats. D'ailleurs, on le voit dans les conversations, hein, droite-gauche, ça ne veut plus dire grand-chose. On parle de sensibilité écologique ou sociale. Est-ce que finalement, on a tourné une page, là aussi? Ouais, moi je pense qu'il faut arrêter ce genre de choses. Il y a des gens qui ont des idées intéressantes de gauche, de droite, du centre. Voilà, il y a des gens qui sont bien partout, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de s'investir. Ouais, cette notion de gauche et de droite, je trouve ça un peu désuet maintenant. On a tous, quand on regarde un petit peu le discours des hommes politiques et des partis politiques, quelquefois le discours justement il est toujours le même. C'est toujours à peu près les mêmes thèmes, les mêmes axes, dit différemment, avec des sensibilités différentes. Mais bon, faut pas. Voilà, moi je trouve ça un petit peu d'un autre temps. Il nous reste, allez, une poignée de secondes. Je voulais vous demander, Pascal Connen, s'il y avait un sujet aujourd'hui à Saint-Brieuc, puisque vous êtes délégué pour Saint-Brieuc, un délégué municipal de Horizon pour Saint-Brieuc. Est-ce qu'il y a un sujet qui revient dans les conversations ou que vous avez envie de prendre un peu à bras le corps? Sur Saint-Brieuc, je dirais que moi, pour ma part, je suis vraiment branché sur l'éducation, justement. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que, voilà, je trouve que c'est par rapport aux jeunes, c'est important d'apporter sa petite lumière quand on a un peu d'expérience. Donc ça, c'est intéressant. Après, sur Saint-Brieuc, il y a plein de choses à faire. Il y a redynamiser le centre-ville. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les conversations. Il y a des choses qui sont faites. Ça va aussi dans un certain sens, mais il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Donc... Voilà, alors on ne va pas vous demander de toutes les énumérer ce matin, c'est promis. Et puis là, on va devoir rendre l'antenne car nous arrivons au bout de cet entretien. Je rappelle
rappelle, Pascal Conen, que vous êtes délégué municipal d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Et vous étiez avec nous en direct ce matin au micro de la matinale de Bretagne 5. Je vous en remercie. Merci à vous. Voilà, je vous souhaite beaucoup. Une très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.